Oui, bonjour à tous, je suis Cathy, je suis formatrice en bureautique et aujourd'hui je vais vous essayer de faire un petit tutoriel pour vous afin que vous de vous montrer comment vous pouvez vous créer un espace de travail, un compte sur votre ordinateur. Vous rentrez donc dans votre espace de travail, l'espace de l'ordinateur, vous n'avez pas trop le choix, et à partir de là, nous allons pouvoir nous créer un espace de travail. Pour ce faire, vous cliquez donc dans votre espace, dans l'espace administrateur et vous vous retrouvez sur l'écran de base. Ensuite, vous pouvez donc cliquer sur le bouton démarrer et vous déplacer dans la partie grise à droite avec la souris et cliquer avec le bouton gauche de votre souris sur le panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, vous allez choisir compte d'utilisateur et protection des utilisateurs. Deux personnages que vous voyez ici. Je clique donc sur compte d'utilisateur. Toujours avec le bouton gauche de ma souris. Je clique sur ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs. Dans notre cas, nous allons en ajouter un. Continuer. Voici les trois sessions qui existent déjà sur mon poste de base. Le poste administrateur, qui est protégé par un mot de passe, la session invité et une autre session qui concerne un de mes stagiaires. Pour vous, nous allons donc créer un nouveau compte. Je clique sur Créer un nouveau compte, bouton gauche de ma souris. Je vais indiquer mon prénom. Je suis utilisateur standard de l'ordinateur, ce qui permet par ce fait-là de protéger toutes les données de l'administrateur de base. Je clique sur Créer un compte. Et le voici. Mais comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait une faute à mon prénom, il manque un H. Et j'aimerais aussi changer mon image. Je clique donc sur mon compte, mon image. Et ici, je peux modifier pas mal de choses. Je peux donc modifier le nom du compte. Je clique sur modifier le nom du compte. Je retape mon prénom correctement, mais vous pouvez en mettre un autre. Et je change le nom. Ma faute est corrigée. Si vous souhaitez, vous pouvez créer aussi un mot de passe, ce qui permettra de rentrer dans votre session, vous et uniquement vous. Mais j'aimerais changer mon image aussi. Je peux donc cliquer avec le bouton gauche de ma souris sur modifier l'image. J'ai un peu de choix, je vais cliquer sur le petit chat et je clique sur modifier l'image. Mon image est changée. Ici, cela me permettrait de supprimer le compte, mais je ne vais pas le faire car j'en ai besoin. Puis je clique sur la croix et je ferme ma fenêtre. Voilà, cette session ne peut se créer qu'à partir du compte administrateur. Pour la suite, je vais donc fermer la session de l'ordinateur que vous voyez ici, qui s'appelle Post 7, et je vais donc fermer la session de l'ordinateur afin de pouvoir rentrer dans mon espace de travail qui s'appelle Cathy. Je clique donc sur fermer la session.